cloche, du soufre, de l'origan. Orage de sable, je souffle dans le vent. Je taillerai le cœur de mon fils dans un diamant. En expédition dans l'œil d'un cyclone, au creux des seins d'un coteau ou d'un trône. Forgé dans le fer des lames des meilleurs couteaux. Qu'il devienne comme son père un être aimant, luminescent sur les collines de sable, d'une terre de feu non loin de Babylone, d'Alger à Islamabad, du Bhoutan à la mer du Tasman. Qu'il trouve le repos dans les bras de son amant. Ah oui. Luminescent, nourri de fruits par une armée de servants. Loin de la misère, de l'ennui, des tourments. Toujours prêt, du chagrin, de l'affliction, des bourdons. Qui donneront à cette joie un sens bien plus profond. Merci d'être là pour moi. Merci de me suivre. Stop. Là-bas. On arrête tout. On arrête le massacre. On arrête la mascarade. Vous me foutez de la gueule de qui, là ? Je sais pas, annoncer sur scène, on prend 2-3 tours de solfège. Ça se fait, 2-3 cours. 2-3 cours de chant aussi. On va s'appeler les Stooges. T'es les Stooges, toi ? Non, je crois pas, ça serait. Alors, on fout le camp. Allez, on fout le camp. Il entend ce que je lui dis, là ? Tu fous le camp ! Incroyable, ça. Variété française. Bah, elle est belle, la variété française. On foutrait, hein. Artiste. Ouais. Il est beau. Hein. Ils sont beaux, les artistes français. Vous pouvez y aller, hein, c'est fini. Hein. Y a plus de spectacle. Pseudo-artiste de merde. C'est un bon. C'est quoi ce bordel, mec? Comment on peut nous accueillir aussi mal? Quel abruti, ce type! J'aurais dû mettre ma main dans sa gueule! Ma main dans sa gueule! Puis il est où notre zénith, mec? On se crève le cul, là, à garder le gamin de notre bouqueuse. Tout ça pour se retrouver à Mireille les Bleus, devant un public de vieux croulants. Le seul soir, on n'est pas de corvée au resto, en plus! Putain, j'en étais sûr, quoi. Elle nous a fait venir ici juste pour qu'on garde son môme. Un show fantasmagorique sur la centenaire scène de la salle des fêtes de Mireille les Bleus. Quelle pute. 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 Grosse pute. Eh, hey, c'est de ma maman dont tu parles. Ouais, bah ta mère c'est une conne, et toi aussi d'ailleurs. Je suis pas une conne. Putain, petit con, va. M'a mordu. Foiré, petit con. Vas-y, fais voir, il joue à quoi, là? Vous faites quoi, les gars, là? Vous êtes en train de martyriser mon fils? Mais c'est quoi, votre putain de problème? Vous êtes un groupe de musique ou une bande de dégénérés, là? Mon père, il m'a dit que vous êtes venu rester. Ouais, c'est ton gamin qui nous a mordu, là, hein. Il m'a mordu en premier, ok? Moi, je vais lui faire rencontrer croque-mitaine à ton gosse, hein. Ouais, puis ta pauvre scène de naze, là, tu nous as pris pour qui? Ma pauvre scène de naze? Mais vous, vous prenez pour qui, là? Ça fait 1000 fois que je tente avec vous, vous êtes zéro! Combien de fois vous êtes fait virer de scène, là? Rien que cette année! Alors ouais, vous en avez peut-être dans le crâne, hein, mais vous avez rien dans la voix! On vaudra notre musique, avec ou sans toi, et ok? Ben, ce sera sans moi! Tâchez de pas me rappeler, hein. Au passage, je veux plus voir vos sales gueules, là, traîner près de mon fils, c'est compris? Allez, viens, mon Douba. Tu les reverras plus. Récupère ta console. Et un conseil, les gars, arrêtez de déphaser. Vos rêves deviennent un cauchemar pour les autres. Un cauchemar!
Au fait, c'est qui le croque-mitaine? Ta gueule! Tu connais le groupe Mayhem? Non. C'est un groupe de black metal norvégien. Leur chanteur était dépressif. Il s'est suicidé d'une balle dans la tête. Tu sais ce qu'ils ont fait quand ils ont découvert le cadavre? Non. Ils ont pris une photo du gars. Le visage baignant encore dans sa propre cervelle. Et bam, ils ont fait une putain de pochette d'album! Ah, jure? Je te jure, vieux. Dans une interview, ils ont même raconté avoir cuisiné et mangé un bout de son cerveau. Tu sais quoi? Tout le monde, mais tout le monde parlait d'eux après. C'est des génies, ces types. Maintenant, il faut suivre leur pas. Alors voilà ce que je te propose. On va appeler notre productrice. Ex-productrice. On va la supplier de nous booker une dernière fois. En échange de quoi? On lui garde son gosse. Une fois le moment poche, on le met en scène. Une séquestration, par exemple. On la moche un petit peu et on prend la photo. Imagine un peu la gueule qu'il va avoir. Comment il va être terrorisé. Et là, on aura notre pochette d'album. Je peux te dire que tous les détraqués vont se l'arracher. Et crois-moi, il y en a un paquet. C'est quoi? Je devrais même ramener le teckel de mon oncle, en fait. Parfois, je me demande si t'es conscient de toutes les conneries que tu peux dire. Bah quoi? Tous les mômes, ils ont peur des chiens. Ça sonne. M'appelez pas, bande de cons. Ah, elle veut nous la mettre. T'inquiète, je sais où crèche le daron du gosse. On va lui rendre une petite visite. Qu'est-ce que vous foutez là? Vous fumez dans mon restaurant? Non mais c'est pas possible, des empoisonneurs pareils, vous voulez faire fuir la clientèle? Allez, arrangez-moi tout ce bordel et rentrez chez vous. Tenir. Du calme. Comment tu fais pour être aussi serein? Je pense à un tatouille qui sort de la toque du Linguini. Au départ, c'est juste un rat, tu vois. Mais par passion, il a osé. Il a créé l'inconcevable. Aujourd'hui, tous les gosses, on s'en fout. Il a son restaurant. Son étoile. Il sort de chez son père tous les soirs à ce temps-là. Comment tu prends l'être sûr?
Je le sais, sa mère me payait pour que je vienne le chercher. Et son daron, il peut pas s'en charger. Son daron, c'est un poivreau, mec. Qu'est-ce que t'as ? Il y a que je me chie dessus, en fait. Tiens, fume, ça va te détendre. Lève-la, sors de la caisse. Moi, je suis à pied. Thank you.